De retour dans Polygamerstone, Nax Ramas et le quartier des assemblages, on passe au boss numéro 2. Grobulus est mon prototype pour une armée de géants. Et tu es le sujet de test numéro 1. Tout à fait. Et pour battre ce Grobulus, on va sortir le prêtre. Anduin, bouclier moche. Grobulus. Ah non, ça peut être possible. La lumière nous apportera la victoire. Regardez ça, ça m'a l'air d'être correct. Bonjour, Grobulus. D'accord. Son pouvoir. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs et invoque une chelée si l'un d'eux meurt. C'est un petit peu chiant. Donc Grobulus, deuxième boss du quartier des assemblages dans Axramas. Avant d'attaquer le boss dans la salle, il y a des géants. Donc il vaut mieux faire le nettoyage quand même. Les grands géants. Et après, donc on va chercher le boss. Il invoque des limons et il fait quelques nuages de poison. Donc il ne faut surtout pas rester dans le nuage de poison. Voilà. Et après, sinon, ben... nettoyer les limons parce qu'ils font quand même mal et après attaquer le boss. Voilà, en gros c'est ça, c'est un groupe du raid qui va se charger des limons et l'autre groupe qui va se charger du boss. L'idée, c'est ça. Sur ce, on va jouer. Quelqu'un est blessé. Contre Grobulus, on va jouer aux cartes avec lui. Ça tout va, c'est lié. Hop, 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 hop. Ah, il est malin. Alors, ben, on peut pas jouer grand chose à part ça. Voilà. Et même ça. Qui voulait que je tue ? Tout de suite. Voyons. On a 4 de mana. C'est quoi ça, on va l'abonner déjà ? Pioche une carte ? Allez, vas-y, on pioche une carte. Ce n'est pas une cible validée. 3 d'attaque maxi. Ah mince, il faut que j'apprenne à lire. Bon ben on va mettre ça. Ça va, c'est mieux. Et... qui voulait que je tue ? Tout de suite. Qu'est-ce qu'il va jouer ? Ah, il me provoque. Il est méchant. Une provoque donne une provoque en plus. Donc, on va la virer. Et on va la virer. Voilà. Et c'est pas mal. Qui voulait que je tue ? Qui voulait que je tue ? Combo. Ça fait bien. Va falloir que je fasse un peu de nettoyage sur ce plateau. Donc... je sais, ça dégage. On va garder les sorts. Qui voulait que je tue ? Il a pas. Il a osé. Il a osé. Forcément. Alors la réflexion.
Réflexion. Chaque fois que ce serviteur se met... Je crois qu'on s'est fait piéger, en fait. On va mettre une provocation. Et on va lui mettre un petit peu plus d'attaque à lui. Et en plus de ça, on va se healer. Et ça sert à rien d'attaquer pour le moment. Donc on passe le tour. Oh non. C'est bête, je n'ai pas d'arme. Faut que je vire la provoque et vite. Ouais. Alors si je fais ça, ça fait deux. Le truc, ça fait trois d'attaque au moins. Donc on se rend de la vie. Vue de PP. Allez. Et... on va piocher, on va voir en espérant que... Non, bon, tant pis. On va se heal alors. Et voilà. Ah, je me sens sale. Il est pas content le gros Bulus. Bon, au moins il a qu'une carte dans la main. Ça. On réfléchit. On va mettre 10 points de vie. On va mettre une autre provoque. Sois-nous ou mourrez. Ou les deux. Je peux faire un jet de besoin. Donc là, il va falloir... faire du ménage, j'aimerais bien, mais... Ça fait quoi, ça? Il va piocher une carte. Ouais, il faut pas éviter de le faire piocher aussi. Sauf qu'on a pas trop le choix. Donc... Aïe. Je peux faire un jet de besoin. Aïe. Et j'ai pas trop envie de le faire piocher en fait. Et j'en suis là. Et on suit là encore. Et zut. Ça pue. Et peut-être pas zut en fait. Il invoque une provoque. Mais. Parce qu'il y a un mais. On la vire avec ça. On se heal parce qu'on est en dessous. On pose une provoque. On balance. On gagne. Il va falloir que je reprenne tout depuis le début. Voilà pour ce gros Bulus. Il nous reste deux boss pour cette semaine. On va s'attaquer à Glut dans la prochaine vidéo qui arrive
tout de suite. Donc, à tout de suite.